Il y a clairement des services étrangers derrière ces choses-là. Il est très possible, en tout cas, vu les messages et vu la façon, on l'a vu avec les incidents Stade de France, des bizarres connexions, notamment au Royaume-Uni. En effet, le but, comme à tous les niveaux de l'action française aujourd'hui dans le monde, le but est de discréditer la France aux yeux du monde entier. Rappelez-vous que la France et l'Allemagne, avec le Danemark et la Suède, sont les pays européens qui ne s'étaient pas soumis à la guerre d'Irak de 2003. C'est la raison pour laquelle, après, il y a eu déjà. Ça fait partie des raisons pour lesquelles il y avait eu des exploitations d'émeutes, notamment en 2005, justement pour affaiblir la France, puis pour la détourner grâce à Sarkozy, qui était passé à la faveur de ces émeutes-là. Sarkozy a été l'orchestrateur du détournement de la France au service, nouvellement, des intérêts anglo-américano-israéliens, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, nous étions un facteur de paix dans le Moyen-Orient et nous sommes devenus un facteur belliciste et nous le voyons également en Ukraine. Mais c'est récent, ça date de 2007, 2011 pour la guerre de Libye. C'est la raison pour laquelle. Et c'est comme l'opération Charlie Hebdo, c'était une opération sur 20 ans de modification des opinions publiques européennes. Et pour cette modification-là, nous avons aussi besoin d'émeutes immigrées, artificiellement encouragées, de façon à ce que les Français prennent fait et cause pour la vision en réalité israélienne du Moyen-Orient, c'est-à-dire les musulmans sont des vilains djihadistes. Et Macron a été réellement placé à la tête de l'État pour ça. C'est absolument manifeste quand on le voit être d'une si grande maladresse à chacun de ses voyages diplomatiques. Il y a des maladresses diplomatiques qui sont absolument impensables. En tout cas, s'il suivait l'avis des normaux, des diplomates normaux du Quai d'Orsay en France, il y a des maladresses qui ne seraient pas commises. Sur la situation en France, sur le policier, le policier a voulu faire une intervention, on va dire, un arrêt de la voiture de façon militaire. Il a très clairement menacé de tirer dans la tête. Néanmoins, il faut savoir que les policiers français qui sont tués aujourd'hui dans ce genre de circonstances-là, il y a eu une augmentation énorme de forces de l'ordre qui sont tués dans des barrages qui sont forcés de cette façon-là. Et encore une fois, dans n'importe quel pays, il aurait risqué de prendre une balle. Sur la comparaison entre la police américaine et la police française, ce n'est pas du tout pertinent, mais c'est en train de le devenir. C'est-à-dire que nous observons une américanisation, mais en réalité, c'est pire que ça. Une américanisation de la police française parce que depuis des années, elle est détournée contre le peuple, de la même manière que l'État français est détourné contre le peuple. Et là-dessus, nous avons des réseaux internationalistes, des réseaux subversifs qui se greffent. Nous l'avons vu avec l'avocat Vincent Brennegraat, qui est l'avocat, je crois, de la mère de la victime, en tout cas, l'intervention de cet avocat-là, qui va former un recours contre des aspects policiers de l'intervention. Je ne sais plus exactement sur quel fondement et sur le recours, en tout cas, il est intervenu. Or, je vous dis que cet homme est une cheville ouvrière d'une subversion savante qui agit en France. Il y a quelque chose de très intéressant dans une analogie à faire avec les méthodes, la méthodologie des printemps arabes. C'était un élément moteur derrière les printemps arabes. Ça, c'est quelque chose qui doit éveiller notre attention, de la même manière que l'Iran a connu avec les Kurdes ou un groupe qui s'appelait Jundallah il y a quelques années, c'était les anglo-américano-israéliens qui étaient derrière, comme d'habitude. Il faut avoir un œil sur ces méthodes-là et garder à l'esprit la facilité de susciter et d'encourager ce genre d'émeutes par des réseaux qui sont en place depuis des années, qui avaient déjà été identifiés en 2005. La police est aujourd'hui formelle, nous n'avons jamais vu ce degré de violence. Néanmoins, ça fait depuis l'an 2000 que les services intérieurs disent que nous aurons tôt ou tard ce degré de violence. Spécifiquement, il y a eu une nouvelle d'anticipation à ce sujet-là qui s'appelle guérilla, à partir, à un moment, d'un policier qui va être un peu plus viril que les autres, c'est-à-dire qui va agir comme normalement les forces de l'ordre devraient agir, plutôt que d'habitude de laisser faire, parce qu'on sait très bien que les hommes politiques, les politiciens ont peur de tout incident dans les banlieues, alors que nous avons bien vu contre les gilets jaunes qu'il n'y a aucun problème pour taper sur le peuple, mais les immigrés sont artificiellement protégés parce qu'on sait qu'ils sont beaucoup plus violents. Ce qui, là, emporte ma conviction, si là, tout de suite, il y a une telle synchronisation, il est très possible que des services étrangers fassent passer ce genre de message à la France, vous n'êtes pas prêt pour les JO de 2024, ce qui est manifeste, en effet.